système photovoltaïque en deux familles. Un système photovoltaïque connecté au réseau et un système photovoltaïque autonome ou bien non connecté au réseau. La différence principale entre ces deux systèmes, c'est que le premier système, l'électricité alors produite est directement consommée localement ou intégrée dans le réseau électrique de votre région. Contrairement au deuxième type de système, qu'il est isolé du réseau électrique. Alors, dans un système autonome, on utilise principalement des batteries pour le stockage et pour avoir l'autonomie de votre système. Alors, on commence principalement par les systèmes photovoltaïques autonomes. Comme je viens de dire, c'est un système indépendant et aussi c'est un système non relié à un réseau public de distribution de l'électricité. Alors, on trouve principalement les composants suivants dans un système photovoltaïque. On trouve principalement le champ photovoltaïque ou bien le générateur photovoltaïque qui se compose principalement par des modules photovoltaïques connectés entre eux par des connexions serrées au parallèle ou par serrées parallèles. On trouve aussi le régulateur de charge. C'est un gestionnaire ou bien gestionneur de flux d'énergie entre les différents composants du système. On trouve les batteries pour l'autonomie et pour stocker de l'énergie produite pour le restituer lorsqu'il n'y a pas de radiation solaire. Alors, après le régulateur, on trouve deux types de consommation. Soit les consommations qui utilisent l'énergie continue, ou bien les consommateurs qui fonctionnent avec l'énergie alternative. Pour les consommateurs avec l'énergie continue, elle est directement connectable avec le régulateur ou bien avec la batterie. Par contre, la partie des équipements électriques qui fonctionnent avec l'alternative, il faut un onduleur qui fait la conversion statique de l'énergie continue en énergie alternative.